Salut à tous! Salut à tous! Bon, bah pour ceux qui ont loupé le live, regardez où on est. XTG Bar. Donc on est à Morteros. Donc on est à Morteros. Le live, j'ai fait une fausse manip, j'ai tout supprimé, j'ai fait une demande à YouTube, mais pour l'instant j'ai pas de réponse, donc à mon avis. Donc merci à je sais plus son prénom qui m'a envoyé la combine pour apparemment essayer de récupérer une vidéo mise à la corbeille par erreur, mais on n'a pas de réponse, donc on attend, on verra. Maintenant il est un peu tard, de toute façon, même s'il nous l'envoie, on va en refaire un. De toute façon, voilà, on va en refaire un quand? On sait pas, dans 9 jours. Pourquoi dans 9 jours? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est confiné. Je pense qu'on a eu vraiment le nez fin. Et voilà, ils viennent de mettre à partir d'hier minuit. Alors on n'est pas confiné dans la ville, on est confiné dans la province. Ouais. Donc ça ne nous empêche pas de bouger dans la province. On va dire c'est un couvre-feu, c'est de 20h à 6h le matin je crois. Ouais. Un espèce de couvre-feu. Mais t'es quand même confiné dans la province. Et, ouais, et pas que la province de Cordoba, beaucoup de provinces, pas toutes mais beaucoup. Donc de toute façon pour l'instant ça ne nous impacte pas parce qu'on fait tout, un peu les contrôles, dentistes, les portes en alu sur le camion. Donc voilà, on est là jusqu'au minimum 5 juin. Maintenant on verra ce qui va se passer, on vous en parlera un peu plus tard. On essaie de voir pour faire des papiers pour avoir un numéro argentin, pas la nationalité mais un numéro argentin, une carte d'étranger. Ça sera peut-être la solution pour passer à Ushuaïa, on ne sait pas. On va la faire, ça, apparemment ça coûte pas très très cher donc on va le faire, mais ça on en discutera un peu plus tard aussi. Et puis bah voilà. Il faut quand même qu'on vous parle de la vidéo parce qu'à la base c'est pour ça. Et surtout qu'on vous remercie. Alors, parce que bah voilà, on a perdu le live, on a remercié tout le monde en live. Et maintenant c'est plus dispo, il y en a plein qui nous disent le live est en privé, on n'arrive pas à le voir. Et en fait non, il n'est pas du tout en privé, c'est qu'il y en a plus. Donc allez, on va remercier, donc il y a une sacrée liste, franchement. Merci vous beaucoup êtes... à tous. Mais c'est énorme, vous êtes cinglés, vous êtes fous. Vous êtes top quoi. Et à ceux qui posent la question, le camion a toujours son bruit, on ne sait pas. Vous allez voir les vidéos, on vous l'a dit, il y a un décalage. Donc là on va vous présenter la vidéo du volcan Troïmen qui est pétacula. Les autres vidéos qui arrivent sont encore plus pétacula. C'est un truc de fou, vous allez voir. Et puis après, on arrive sur Morteros et puis vous allez voir un peu la mécanique. Mais voilà, le bruit du camion donc est toujours là. La vidéo, puisqu'il a commencé, on va voir le volcan Troïmen avec le lago Troïmen. Ensuite, on prend la route vers le nord et vous allez nous suivre un petit peu. Et on se fait un petit arrêt, un petit disco. Et après, on rentre dans la province de... Naïken. Non, on sort de Naïken. Ah ouais. Et on rentre à Mendoza. Et là, c'est là où ça va devenir pétacula. Mais ça sera dans une autre vidéo. Un peu de suspense quand même, hein. Donc allez, merci à Gilbert. Et je voulais te dire, Gilbert, mes grands-parents sont à Cachan et pas Clamart. Et d'ailleurs, attends, tu nous as dit que tu étais en Bourgogne aussi après. Ils ont une maison de campagne en Bourgogne, donc tu me diras où. Ils sont originaires de Bourgogne. Ouais. David. Marie. Romaric. Jérôme. Emmanuel. Melgen. Dominique, Canada. Emmanuel. Émilie, Canada. Didier. Jean-Paul. Verano. Jonathan. Jean. Pascal. Robert. D'ailleurs, Robert, tu as le même prénom, le même nom de famille que du côté de ma mère. Audrey. Olivier. Laurent. Steve. Suricate Gourmand, merci à vous pour tous vos commentaires super sympas depuis très longtemps. Donc merci beaucoup. Oui, il y en a plein d'autres, mais là je reconnais du coup parce que c'est le même nom. Eric. Alexis. Marc. Raphaël. Jean-Luc. Olivier. Michael. Michel. Pardon, Michel. Joseph. Merci à vous. T'as qu'à bien écrire. Ouais, franchement, merci, merci. Et encore merci quoi. Franchement vous êtes top. Vous dites qu'on est top, mais alors vous êtes encore plus top que nous. Et pourquoi on s'est filmé là? Parce qu'on voulait vous montrer qu'est-ce aussi. Ouais, parce que du coup on fait une petite bouffe là ce midi avec tous les copains. Et qu'est-ce qu'on leur fait? Un pot-au-feu. Alors pot-au-feu à ma sauce, hein, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, on met ce qu'on veut un peu dedans. Tout le monde voit qu'on voit un peu. Ils connaissent pas, donc on va leur montrer un peu le pot-au-feu. Français. Voilà, on voit pas la viande, elle est un peu au fond, mais voilà. Alors la viande, je savais pas trop quoi prendre, parce qu'ici, ils coupent pas la viande comme chez nous. C'est pas pareil, elle est découpée. C'est pas pareil, mais bon, il y a de la viande, c'est le principal. Donc voilà, et aussi, on est du coup à l'antenne, et il y a quelqu'un qui nous a rejoint, parce que Manino, le cœur sur la main, comme d'habitude. Hein.
un gars du Venezuela qui fait le tour du monde en vélo. Et du coup, il est avec nous, ici, à l'antenne. Il dort ici. Et puis, bah, du coup, là, il est coincé, lui, pour 9 jours aussi, voire plus. Il a fait la quarantaine au sud, à Rio Gallegos, avec les copains, là-bas, là. Enfin, ils se sont jamais vus, mais dans la même ville, c'est étonnant. Dans la même ville. Et du coup, il est avec nous. Et vous pouvez le suivre sur son Instagram. Voilà. Comment est ton Instagram? Nomada-bike. On le mettra, on l'écrira, c'est plus facile. Et Instagram et Facebook, et pareil, il fait le tour du monde, mais en vélo. Il est fou. Et loco. Plus que nous, hein. Plus que nous, c'est clair. Donc voilà, on est avec... Parce qu'il a déjà fait Colombie ou Ushuaïa à vélo. Il a déjà fait quanto kilomètres, ahora? 12 000. 12 000 kilomètres déjà. Colombie, tout, et il est cinglé. Grave. Et donc, vous pourrez le suivre sur Instagram et Facebook. Il y a belle photo. Et puis YouTube, mais il est en train de mettre le site, la chaîne YouTube en route. Voilà quoi, c'est tout, non? C'est tout, je sais pas, tu parles pour parler. Allez. On vous laisse avec la vidéo et puis ciao. On vous en dira plus sur le confinement. Croisez les doigts pour nous. Ciao! À la prochaine! Vas-y, en fait. À la prochaine! Bienvenue sur la chaîne XTG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Arrivé à la Laguna Traumen, au pied du volcan. On est bien là. Alors la lagune est plus ou moins sec, hein, on va dire. Là, depuis qu'on est arrivé, en fait, on voit des lézards de partout dans les pierres. C'est sympa, des souris et tout. Et puis vu que c'est une piste qui n'est pas accessible pour tout le monde, on va dire, elle secoue un peu quand même et elle grimpe. Sympa, hein? Et là, je sais pas si vous voyez, en fait, c'est des coulées de lave qui ressortent sur la couleur plus claire. Monsieur Alice, dans le bleu. Et là, pareil, hein, tout ce qui est là, c'est des coulées de lave. Il lui fait sa petite bourse. Cette grande muraille de roches noires d'une hauteur de 15 à 20 mètres est une masse de lave émise par le volcan Traumen il y a environ 500 ans. Elle a une surface d'environ 36 km² et une forme triangulaire dont le sommet est le cratère d'émission.
Non, c'est parce que déjà... Ça fait quand même 4 fois qu'on passe, hein. Elle appuie pas sur le bouton, en fait. Si, j'appuie, ça marchait pas. Non, non, elle appuyait pas sur le bouton. Et ton talon, c'est... Putain... Elle a cramé du gazole pour faire 2 photos. Non, bah, je voulais nettoyer le camion, c'est bon, là, le châssis. Regardez où on est garé. En vrac. Devant le petit parc, là. En fait, bah, on est arrivé de nuit. Je sais plus quelle heure il était. On avait trouvé un petit bivouac sympa. Mais on s'est dit, allez, on avance. Puis après, on est arrivé sur la route. Donc, c'était station-service. Et puis, je me suis dit, tiens, on va faire demi-tour. Ah non, je demande au gars de la station-service s'il y a le wifi. Il me dit oui, mais ça marche pas. Il me dit, par contre, un peu plus loin, à l'entrée de la ville, il y a du wifi gratuit et tout. Moi, je dis, vas-y, on tente le coup. Il nous fallait 2-3 musiques là pour les vidéos. Comme ça, on fait ça d'une paire de coups le soir, tranquille, quoi. Et puis, bon, on n'a rien trouvé. Et puis, à l'entrée du village, il y avait trois petites jeunes, là, qui contrôlent l'entrée, là, pour le Covid. Ça fait un an que c'est en contrôle, ici, dans la petite ville, là. Et elles nous disent, si, un petit peu plus loin, il y a un hôtel, il y a du Wi-Fi et tout. Bon, on va un peu plus loin et, en fait, on trouve pas. Du coup, on se gare là, ici. Puis après... Il y a la gendarme, il y a la police qui arrive, du coup on discute un quart d'heure avec le mec, super sympa. Si on a besoin de quelque chose, il n'y a pas de souci, le commissariat, il est au bout de la rue là-bas, derrière le camion. Enfin bref, des gens cool. Et puis on revoit les filles là, de l'entrée de la ville là, qui reviennent. Ah, dit bah ouais, vous pouvez vous mettre là. Et puis on vous donne le wifi de la municipalité qui est ici, et on vous donne le wifi bah, de la police qui est derrière. En fait, elles avaient tous les wifi, bah il n'y a pas de réseau ici. Donc elles avaient tous les wifi, en fait, quand elles se baladent, ça permet de wifi en wifi. Donc elle m'a donné tous les codes. Et puis bah, on a mis notre petite antenne là, par la fenêtre. Ici là. Là. Regardez, on a perdu des lamelles de grille d'aération, faut qu'on retrouve une grille, on l'a pas trouvé encore. Et bah, de une petite barre de wifi, on est passé complet. Cette antenne, franchement, pour 25 balles, vraiment top. Et bah voilà, du coup on a passé la nuit là. Donc je dis en vrac, mais du coup la cellule droite, hein, parce que la route est un peu en pente. Et puis voilà, on s'en va là. On finit ce qu'on a à faire avec internet et puis on bouge. Parce qu'après on sait qu'on n'aura rien pendant un bon bout de temps, donc on en profite. Allez, petite pause du midi tranquille. Face au lac. Et puis bah comme d'hab, hein, disco, hein. Là ça joue. Faut jouer le disco, toujours. Avec la réserve de bois, toujours de quoi faire. Juste là il en reste. Hop. Marie, on va nous faire des épluches de patates, on va faire des petites patates sautées après dans la cuisson du poulet. Écoutez, on est pas mal là. Une petite plateforme là, tranquille. Un petit bout de piste pour venir. Bon, on a retrouvé du bois ici, donc on en a recoupé un peu. Regardez un peu, attention. Ouais, ça va être long. Mais, on a du bois. Bon, bah voilà, on va se régaler. Bon, je pense qu'il y avait un peu trop dans le disco. Que ça va pas bien... C'est pas, ouais, c'est pas vraiment des patates cramées. Sautées, du coup. Non, et on a du grillé de patates, mais qui est plus accroché à la patate. Et là, nettoyage du disco. Donc comment on fait pour le nettoyer? C'est tout simple. Une fois que on a sorti bah, toute la bouffe, hein, on balance de l'eau dedans et on laisse bouillir. Et en fait, les bulles de l'ébullition décollent tout, bah, tout ce qui est resté collé. Et puis bah, ça déborde. Et puis en même temps, ça éteint le feu. Et puis voilà, après un petit coup de... Petit coup de chiffon et c'est propre. Bon, voilà. Je sais pas si vous voyez le fond là, ça a décollé. On pourra l'enlever du feu, mettre un petit coup d'éponge et puis le laisser refroidir. Allez. Alex, c'est l'heure d'éteindre le feu, je crois. Ah, c'est chaud. Et regardez. Propre, hein. Vas-y, éteins. Attention, hein.
Impeccable. Il y a la suite devant nous qui puait les freins avec la station fantôme. Voilà, on repasse sans le Neiken et il n'y a pas de contrôle. Mila qui est pétacular. Ah, c'est normal puisque comme d'habitude on part il est midi et demi donc ils sont en train de manger en fait. Et voilà. Ciao. Mendoza. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt! À bientôt! À bientôt.